Voilà. C'était juste une petite démonstration avec quelques pas de danse tunisienne populaire sur une musique de notre cher ami artiste Nasreddin Chebli. Alors, très bien. À la fin du 19e siècle, Tunis capitale a connu plusieurs phénomènes de danse populaire citadine. Évidemment, la danse populaire existe bien avant que ça. Et parmi les phénomènes les plus connus, Erbour. Et quand on dit Erbour, on dit Zoufra. Je vous explique. La danse d'Erbour était une danse vulgaire et déplacée. C'était une danse populaire improvisée, un vrai phénomène citadin né dans les milieux ouvriers de la ville de Tunis à la fin du 19e siècle. Après le travail, les ouvriers zoufra, d'ailleurs le mot zoufri vient directement du mot français ouvrier, ces ouvriers avaient l'habitude de se réunir dans les cafés, des lieux exclusivement masculins. Ils leur reprenaient en dansant le travail quotidien, le terrassement, le portage, le piochage, le halage, et c'est toujours sous l'assistance d'un public d'ouvriers masculins qui participent bien évidemment avec les cris, les sifflements, les claquements des mains, etc. Alors ils dansaient, chantaient, parlaient de l'amour, de la vie, du travail, de leur sexualité, dans un espace ouvertement sexuel, dans un environnement très masculin, où il y a beaucoup d'audace, beaucoup de liberté physique et atteint, selon le discours moraliste de la bourgeoisie tunisienne, la vulgarité. Parmi les phénomènes les moins connus, il y a Saadewi, par exemple. Dans d'autres régions, Saadewi, il a un autre nom, Hajeli. Ce Saadewi était pratiqué par des femmes à l'intérieur. Mais à l'extérieur, si un homme décide de faire Saadewi, il doit s'habiller en femme et il doit surtout cacher le visage. Il y a aussi Zandeli. Ça vient de Zandela. Zandela, c'est un mot d'origine turque qui veut dire en français cellule, en arabe zenzena. C'était un répertoire de danse, de chant et de musique des prisonniers. Il y a aussi, par exemple, El Goubihi. Ça vient de Rbeha. C'était les danses des prostituées. Vous savez que Tunis capitale, depuis 1727 jusqu'à l'arrivée des Français, on avait presque 14 quartiers réservés à la prostitution dans la ville. Aujourd'hui, on n'a qu'un seul, malheureusement. Alors, ce nombre infini de phénomènes de danse montre que la société tunisienne n'avait pas de problème avec la danse, ni avec les danseurs, ni avec les danseuses d'ailleurs. Sachant que les danseurs, ça n'existait pas vraiment des danseuses dans l'espace public, dans l'espace commun. C'est à partir des années 30, 40, jusqu'à les années 50, 60, et quand il y a eu cette vague de danseuses, d'artistes, femmes qui sont venues de l'intérieur du pays, et se sont installés à Tunis capitale, comme par exemple Saliha, avec la musique, le chant et tout ça. Il y a eu Azina Waziza, Aisha Omemia, Zohra Lambouba, Bahria. Il y a beaucoup d'icônes de danse féminine à cette période précise. À cette époque, en fait, on a commencé à détruire les frontières entre le monde des femmes et le monde des hommes, entre la danse féminine et la danse masculine. D'ailleurs, il y a eu des formes croisées. Par exemple, le Saadewi, qui était une danse des femmes, elle a été récupérée par les danseurs zlas, les cavaliers. Rbour même. Aujourd'hui, le Rbour, c'est une danse mixte. C'est grâce à qui? C'est grâce à Mzaoudi, à les joueurs de Mzaoudi, qui animaient nos fêtes. En fait, ils ont récupéré la danse du Rbour, ils ont enlevé un petit peu les scènes obscènes, et surtout, ils ont fait participer les femmes. Donc, jusqu'à les années 60, c'est-à-dire juste après l'indépendance, Bourguiba a voulu faire de la danse amitié. Il fait appel au grand Hamadi Larbebi, le premier
danseurs folkloriques professionnels pour créer la troupe nationale des arts populaires. Et bien sûr, dans la troupe, il y aura un ballet avec des danseurs. Et nous, on n'avait pas des traditions de ballet. Donc, il a fallu inviter des formateurs, des professeurs de danse classique russes et bulgares. D'ailleurs, si vous remarquez, dans les danses de la troupe nationale des arts populaires, vous voyez des formes classiques, des ports des bras, des grands jetés, des grands écarts, des pirouettes même. Ils montent sur les pointes, et même sur les demi-pointes et même sur les pointes. Donc, c'était un peu déformé comme danse. Donc, Bourguiba a beaucoup aimé les danseurs. Il a même fait des interventions. Il a obligé, par exemple, les danseurs de la troupe à porter les collants blancs pour cacher les jambes, bon, en imitant un petit peu le modèle soviétique à cette époque. Hamadi Larbebi a essayé aussi de faire ce qu'il appelle, lui, « tafrif ou tahdhib », c'est-à-dire enlever l'aspect sexuel, voire obscène, de nos danses. Et surtout, il a tracé du nouveau les frontières, moi j'appelle ça des fausses frontières, des frontières entre le monde des femmes et le monde des hommes. Et sans rendre compte qu'il a détruit un troisième monde qui se passe entre les deux, qui est là. Et sur ça, je travaille aujourd'hui. C'est cet univers qui existe entre le monde des femmes et le monde des hommes. Donc, la troupe nationale des arts populaires, elle était très présente. Elle a joué un rôle très important. Elle était présente dans les cérémonies officielles, à la télé, dans les manifestations culturelles, politiques, diplomatiques en Tunisie et à l'étranger. Donc elle a joué un rôle d'un musée ambulant, d'un vrai conservatoire. Conserver, c'est protéger, c'est classer, c'est stocker, c'est finalement rendre tout ce qui est d'ordre vivant statique, figé. Finalement, c'est tuer le vivant. C'est aussi folkloriser. C'est aussi faire de notre danse, nos danses, une carte postale présentée à un public de touristes. Donc, peut-être à cause de ça que le public tunisien, le Tunisien ne se sent plus dans ces danses. Il prend une distance par rapport à ces danses-là. Mais je pense que c'était légitime. Mais ce qui n'est pas normal, de transformer cette distance par rapport à la danse, un mépris, un rejet, en une position contre la danse et les danseurs. Peut-être aussi, si on fouille un petit peu dans l'histoire, vous savez, dans les années 90, il y a eu les premiers mouvements de danse contemporaine. Il y a eu des artistes, des chorégraphes qui sont venus avec une nouvelle expérience occidentale et ils ont installé cette expérience, ils ont complètement rompu avec le local, avec nos danses local. Peut-être aussi ça explique ça. Il y a aussi une autre explication. Dans les années 90, il y a une montée de conservatisme. Peut-être à cause de ça. Mais la question que je pose aujourd'hui, c'est comment faire? Comment faire pour retrouver votre amour, votre admiration, et votre respect surtout pour la danse. Merci.